Bonjour, pour cette vidéo, je vous propose une lecture d'album, un album assez rigolo qui peut être lu aux plus petits mais aussi aux enfants de début de primaire. Donc voilà, c'est Je veux des pâtes avec notre célèbre lapin Simon que vous avez déjà vu dans d'autres albums. Bien, un bel album de l'école des loisirs et de Stéphanie Blake. Je veux des pâtes. Voilà, ce petit Simon. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce petit Simon? Il était une fois un petit lapin qui ne voulait manger qu'une seule chose. Des pâtes, toujours des pâtes. Là, il a l'air content devant son assiette. Le matin, lorsque sa maman lui disait « Viens manger tes tartines », mon petit lapin, il répondait « Ah, pouah, c'est pas bon, moi je ne veux que des pâtes !» Même pour le petit déjeuner. Il est étrange ce petit lapin. Le midi, lorsque son papa lui disait « Viens manger mon petit lapin !» Qu'est-ce qu'il répond? Il y a des haricots verts et du beefsteak. Mon petit lapin répondait, je veux des pâtes. Oh, bon sang. Il est toujours en colère quand son papa et sa maman lui proposent autre chose. Un soir, au dîner, lorsque sa maman lui dit, mange ta soupe. Mon petit lapin, il répondit, Burk, c'est pas bon la soupe de potiron. Alors, là, sa maman se fâcha et elle lui dit, Simon, ça suffit, tu vas dans ta chambre, tu es puni. Aïe, aïe, aïe. Simon a énervé sa maman. Alors, d'une toute petite voix, Simon dit, mais moi je veux manger des pâtes. 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 Bon sang! Simon se fâche et crie. Il se met en colère pour pouvoir manger des pâtes. Tout à coup, et tout à trac, Simon se met en colère. Il se met à rouler des yeux démoniaques. Il devient fou et pousse un hurlement de loup. Je veux des pâtes! Un point, c'est tout! Il est très en colère. Est-ce que ça t'arrive de hurler toi aussi quand tu veux quelque chose? Mais lorsqu'il entendit sa maman dire à son papa, ton gâteau au chocolat est exquis, c'est délicieux, mon chéri. Il se calme aussitôt, le petit lapin. Qu'est-ce qu'il a entendu? Gâteau au chocolat? Est-ce que je pourrais avoir du gâteau au chocolat, moi aussi? Sa maman lui dit, viens d'abord manger ta soupe, mon petit lapin, et tu auras du gâteau, c'est promis. Et c'est exactement ce que fit le petit lapin. Il mangea sa soupe de potiron. Mais le lendemain midi, quand son papa lui dit, viens manger tes pâtes, mon petit lapin. Le petit lapin répondit, je veux du poulet.
Décidément, ce petit lapin, il n'est pas souvent d'accord avec son papa et sa maman. Mais quand même, il change d'avis et il finit par manger tout ce que sa maman et son papa ont préparé. Ça nous arrive à tous de ne pas trop aimer ce qu'il y a dans notre assiette. Mais c'est important de manger de tout. Alors bon appétit!